Bah oui, parce que hier, vous n'avez pas raté une miette de la soirée législative. On peut même dire que j'étais chanceux, puisque j'avais rendez-vous avec deux femmes hier soir. D'abord Apolline, 18h sur BFM TV, qui nous a régalé d'entrée avec une petite métaphore. Il y en a quand même 15 des ministres qui sont candidats. J'avoue, en préparant l'émission, je me disais c'est un peu Koh-Lanta, parce que pour eux, franchement, c'est une épreuve. Et s'ils tombent du poteau, c'est fini, ils sortent du gouvernement. Alors, comment rendre sexy une soirée législative? Hop, la petite métaphore d'Apolline Brognard. Et voilà, j'étais à fond pour la soirée. D'ailleurs, pour donner encore plus de tension et de suspense à cette soirée, Apolline a une autre technique plus ou moins volontaire, le lapsus. Il est 19h13, dans trois quarts d'heure maintenant. Nous aurons les résultats de ce premier tour des élections présidentielles. Élections législatives. Le premier tour ce soir. Il est 19h42, moins de 20 minutes donc, avant d'avoir les résultats de ce premier tour des élections présidentielles. Dans 9 minutes, nous aurons le résultat donc de ce premier tour des élections présidentielles, des élections législatives. Justement, partons à l'Élysée. Non, décidément, je l'ai pas fait trois fois, c'est Richard. Et un, et deux, et trois lapsus hier soir. Alors j'ai un petit spoiler, Apolline, c'est Emmanuel Macron qui l'emporte à la fin pour la présidentielle. Ouais, enfin, avant 20h, donc trois fois en 1h30, si on est tout à fait honnête. Bon, à 20h, c'est sur TF1 qu'est apparue l'autre star de ma soirée télé, Rachida Dati. Rachida Dati, à peine assise, s'est payée la gauche. D'abord, Jean-Luc Mélenchon, il a raté son pari. Moi, j'aurais aimé que M. Faure soit sur ce plateau ce soir. Ils sont tous planqués. Tous planqués, ces socialistes. Voilà, une première salve pour ceux qui n'étaient pas en plateau, mais elle a gardé ses plus belles flèches pour Clémentine Autain, qui était assise en face d'elle. Mais vous, vous ferez mieux de baisser d'un ton, parce qu'on verra au deuxième tour. Voilà, baissez d'un ton. Parce que je vais vous dire, ce qui se passe en France, vous en êtes responsable. Je ne vous ai pas coupé la parole, Madame Dati, donc vous allez m'écouter. Allez-y, allez-y. Alors, je ne vais pas vous écouter parce que le communautarisme, ça m'intéresse. Si vous, que ce soir, nous sommes en tête. Quand vous me respecterez, je vous respecterai. Voilà, nananère, je ne t'écoute pas. Inarrêtable. D'ailleurs, Gilles Boulot et Anne-Claire Coudray ont un peu passé une longue soirée, à mon avis. S'il vous plaît, voilà. Rachida Dati. Rachida Dati, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Les meufs et Rachida Dati, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Rachida Dati, merci. Votre parole est terminée. Voilà. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bah, vivement dimanche prochain pour un nouveau sketch de Rachida Dati et pour le résultat du deuxième tour d'élection présidentielle avec Apolline, évidemment, sur BFM TV et RMC. J'ai honte, je savais que j'avais fait le lapsus, mais je ne pensais pas aussi si, souvent. Si, si, trois heureusement fois. Que vous êtes quand même là, Charles. Oui, bah, j'ai été attentif hier soir et j'ai été gâté par Apolline. Merci beaucoup.